Paris, à quelques pas de la Tour Eiffel, sur la rive gauche de la Seine. Dans le 15e arrondissement, nous retrouvons Patrick Morcos, brocanteur aux puces de Saint-Ouen. Aujourd'hui, il nous emmène faire une chine un peu spéciale. Je vais à un rendez-vous avec une particulière pour voir des meubles et des objets qui garnissent un appartement après une succession. C'est assez fréquent d'avoir des rendez-vous, mais ce n'est pas à chaque fois que c'est intéressant. Alors en espérant qu'il y aura des découvertes à faire. Oui, monsieur Morcos, merci. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Geneviève Bossé accueille Patrick dans l'appartement de ses parents, dont elle a hérité il y a quelques mois. Vous regardez si ça a quelque chose qui vous intéresse, puis vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. D'accord. Hein, voilà. On va faire le tout ensemble. Merci, oui. Et puis on regarde ça. Elle a fait appel au brocanteur car elle souhaite se défaire d'une partie de ses objets et meubles de famille dont elle ignore totalement la valeur. J'ai pris tous les objets et les meubles qui m'intéressaient, donc qui me rappelaient des souvenirs. Et maintenant, j'ai fait venir un professionnel pour qu'il me estime un peu ce qui reste. Et alors, dans l'idéal, pour moi, ça serait que de me débarrasser de tout. C'est vider totalement l'appartement, oui. Pour cela, Patrick va devoir tout examiner dans le détail. L'intérêt, c'est quand même, dans une adresse comme ça, c'est d'être seul. Ça change des salles des ventes, des déballages, où il faut aller très vite. Là, on peut regarder objet par objet et éventuellement avoir des bonnes surprises. Comme avec ces deux pièces de vaisselle anciennes. Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est un sucrier, en espérant qu'il est en argent, et la cafetière avec. Et ici, il y a le poinçon à la Minerve, donc une tête de Minerve casquée. Donc c'est un objet Napoléon III. Une époque qu'il reconnaît aussi par la forme de la cafetière, dite marabout. C'est à l'oriental et c'est pas sur des pieds, elle se pose sur son ventre. Et les prises, là, ici, les petites pastilles en ivoire, sont faites pour ne pas se brûler quand c'est rempli de thé ou de café chaud. Donc ça, ça lui donne un côté un peu attractif, où j'ai des clients étrangers qui achètent ça. Donc là, c'est ayant appartenu à des générations, on va dire, anciennes et conservateurs, on a des objets comme ça qui ont assez peu servi. Et si on veut les faire revivre, là, vous voyez, ça redevient blanc, juste avec un simple coup de chiffon, bien sûr, même sans produit à argenture. En nettoyant le sucrier, Patrick révèle les initiales de la famille. Une gravure qui pourrait freiner la revente de l'objet, mais qui n'est pas irrémédiable. Donc on peut le faire déchiffrer et le regraver. C'est éventuellement des petits frais en plus, quoi, voilà. Mais ça s'enlève. Donc ça, c'est deux pièces que j'achète dans les 200 euros. La propriétaire profite de la venue du brocanteur pour connaître l'histoire de ses objets de famille. Il y a une chose que je voulais vous montrer, c'est ça? Oui. La pendulette. C'est de voyage, oui. J'ai toujours connu, sur le bureau de mon père. Ça vient peut-être de mon grand-père. Alors, par rapport à votre grand-père, ça serait logique qu'elle soit fin 19e, autour de 1900. Oui. Ça, c'est l'époque de la pendulette, c'est sûr. Donc, il y a un cadran pour les heures, oui. Et un cadran où on règle le réveil. Ça fait réveil. Ah, oui. Oui. C'est pour ça qu'à l'intérieur, on règle le réveil avec une petite clé, là, où il y a marqué « réveil » ici. Elle est en bel état, les verres ne sont pas cassés. Les verres à facettes, c'est quand même dur à faire refaire. Les colonnettes sont belles, comme ça, là, bronze et laiton doré. Il y a une jolie ciselure ici avec des lions. Ce petit style empire, colonne torsadée comme ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a des collectionneurs pour ces objets-là. Ah oui. Ça rentre dans le domaine de l'horlogerie, des pendules, des montres et ah c'est oui, plaisant, ça peut... ça plaît. Donc ça, c'est un bon objet. Et au point de vue estimation, qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau estimation, dans l'état comme ça, entre 200 et 300 euros. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui. C'est toujours intéressant, c'est de la marchandise qui est toujours demandée. Une horloge de voyage que Patrick revendra 450 euros facilement. C'est dans ce genre d'appartement qu'il peut dénicher les petits objets de valeur dont raffolent les collectionneurs. Donc voilà un objet typiquement féminin 19e pour collectionneurs qui s'appelle des vinaigrettes, flacons à sel, sel de pamoison qu'on mettait dans ces petits flacons à l'intérieur. Au 19e siècle, les flacons à sel de pamoison contenaient des sels d'ammoniac que les dames, sujettes aux évanouissements à cause de leur corset trop serré, respiraient pour reprendre leurs esprits. Celui-ci est en argent gravé et cristal taillé. Et celui-ci, qui est très joli, encore plus joli de qualité, parce que la forme est un peu plus belle, il est en vermeil, donc c'est d'ailleurs de l'or sur l'argent. Le petit bouchon, et avec sa petite chaîne de sécurité, fait partie de l'objet. On avait moins de chances de le perdre. Donc là, on a un objet de qualité ancien qui a plus d'un siècle, qui a survécu à tout ça,
grâce à la famille qui l'a conservé et protégé, et cet étui d'origine qui est de qualité et qui est aussi en parfait état. Ces deux objets, je vais pouvoir les acheter dans les 200 euros les deux. À la revente, Patrick sait qu'il pourra en tirer jusqu'à 200 euros pièce. Si les petits objets sont recherchés et plus faciles à vendre, ce n'est pas forcément le cas des meubles. Oui, en fait, ce sont des meubles qui appartenaient à maman. Je les ai toujours vus chez nous. Et malheureusement, à l'heure actuelle, je ne peux pas les garder. Donc, pour ça, j'aimerais bien que vous les vendiez. Ouais, malheureusement, au niveau du prix, c'est bien des meubles bien anciens, d'époque empire. Ouais. La colonne détachée avec des jolis bronzes ciselés, d'ailleurs. Avec même une jolie dorure. Et un joli acajou en plaquage comme ça, ramageux. Des meubles qui, malheureusement, ont perdu toute valeur aujourd'hui. D'autant plus lorsqu'ils sont abîmés. Là, le meuble est fendu. Ça, c'est l'âme du meuble en dessous qui est en chêne, qui lui a travaillé. Alors ça, s'il faut restaurer ça, il faut tout déplaquer et replaquer. C'est beaucoup trop de travail. C'est très onéreux, en plus. Ah oui, il faut les démonter, les déplaquer. Voilà, donc ça mérite quand même d'être acheté, si c'est pas cher, et avec d'autres choses, et d'essayer de les revendre. Mais c'est malheureusement moins simple qu'avant. C'est pas dans les meubles à la mode, quoi. Pour pouvoir négocier les petits objets qui l'intéressent, Patrick accepte d'acheter le lot entier, et notamment les meubles, qu'il aura sans doute plus de mal à écouler. Le tout pour 1200 euros. On est d'accord. On est d'accord. Oui, il n'y a pas de souci. Parfois, c'est ni intéressant ni commercial, où on ne s'entend pas du tout sur le prix. Et aujourd'hui, c'est une Chine correcte qui justifie d'acheter un ensemble avec des choses commerciales. Dans les jours qui viennent, il reviendra débarrasser entièrement l'appartement à ses frais. De quoi lui donner du travail pour les semaines à venir. De son côté, Geneviève est heureuse de savoir que l'appartement va être totalement vidé. Je suis très soulagée d'avoir tout vendu. Je suis contente parce que tous ces meubles et ces objets auront une autre vie. Donc c'est le principal.